Eh bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la toute première, Astuce Kama. C'est parti. En compagnie de mon ami Low Tempête, ici présent, je vais vous montrer une petite astuce inédite que j'ai jamais vue sur YouTube encore. Putain. Non, c'est vrai. Bon, c'est parti. Alors, je tiens à vous dire que... j'ai jamais fait de vidéo encore. C'est vrai. Non mais c'est vrai, t'es toi. On va rendez-vous. C'était où déjà? Ah voilà. Déjà voilà, je vais vous faire mon craft. Ça consiste à faire des kuakano. Et de les briser. La recette. Une recette toute simple. Non! Merde! Si c'est ça, ouais. Des kuakano. Non, c'était pas ça! Bref, je me suis fait. C'est pas ça du tout. C'était. Non, c'était des craquamulettes. Des craquamulettes, je vais vous faire montrer. Petite arrière musique là, petit fond à l'ancienne, dédicace. Donc c'était quoi, crack amulette. En fait cette astuce ça va vous permettre de... Ah c'est 5000 km unité. Ça veut dire que je les aurais vendus, ça m'aurait fait 500 000. Donc ça consiste à faire des craques à miettes et de les briser. Le craft, il faut une pierre de granit, une pierre de crackler, 4 dents en or du crackler, un silex, un charbon. Je conseille d'avoir une panneau pot. Tout ça, donc tête de lumière. Moi personnellement, je pose un percepteur au donjon. Smet, tu l'as posé? Bah là, il est en train de lancer, il est en train de chercher une salle disponible sans percepteur. Il veut pas tuer les autres percos des autres guilds parce que ça se fait pas. Minerai. Donc il fallait du charbon. si. T'es fou, toi. Regarde. Du charbon. J'en prends 20. Non, j'aurais dû en prendre que 10. J'en avais. Ouais, bien. Attends. Si j'en ai, non. Pas cette heure. Je l'avais posé, j'ai récolté. Ah voilà, j'avais tout. Oh putain, je suis blindé. Oh merde. Low Tempête a débrouillé le succès ni du quoi. En duo, tu l'as fait. Est-ce que t'as galéré la dernière salle? Je vais mettre ma copine d'Anator parce que mon Céleste, ça fait un peu moche. Tu sais que je suis criminellement lié. Ouais, déjà, tu m'as volé ma coiffe objet. Il m'a volé ma coiffe objet parce qu'il est en cascarnage et il trouve ça laid. Bon, le temps qu'il achète une coiffe objet, je lui ai loué 10 000 kamas par jour. Tu me dois 70 000 kamas, rendez-vous à Brakmar. Donc là, on va aller atelier de bijoutier. Atelier de bijoutier. Le cracker? Ouais. Il est pour moi, hein. Pas. Moi je suis à Brakmar, je vois pas ce qu'il y a écrit. Donc là, va... Hein? Ah oui, merde, mais pardon. Sortisseur. Voir.
19. LOL. LOL. Déjà là, je suis en pleine... pleine croissance de Kama là, tu vas pas me... tu me dois 500 000 Kama plus 70 000 Kama. 500 000 Kama, je te les donne. Non, tu me les donnes toi, je les ai donnés à toi. Non, je LOL. Donc c'est parti. Putain, je bug. Crac. Camulette. Non, moi je m'en fous. Hein? Ah oui, merde, j'ai pas tout mis. Faut que je mette ma panneau pod. Est-ce que je peux poser deux percepteurs différents? Non. Je mets ma panneau pod. Je peux pas. Si, tu peux poser deux percepteurs. Là, j'en prends un dans le jeu. J'ai mis ma panneau pod. Ah non, j'ai mis ma panneau. Ok. Non, moi je l'ai mis. Voilà. Comment? Là, je vais en poser un devant et un devant. Pourquoi? Mais... il a mis le sac normalement. Voilà. Oh, je suis blindé même avec le sac. Ah oh, oui, j'ai 1200 là. Ah bah je vais les mettre sur ma DD. La première salle, il n'y a pas de percepteur. Non, 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 bah, même la première salle. Tu mets la quatrième salle. Donc, tac, 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 tac. Normalement, cette technique elle marche. Oh putain. Oh là là. Quand vous faites ça en masse, ça peut vous rapporter gros. Personnellement, moi ça m'a rapporté 500 000 Kama. En faisant 100 anneaux. 100 anneaux. Mais ceux qui sont sur Otoma, ils laissaient tomber là. J'ai vidé les stocks. Donc, non, c'était quoi le crack? Normalement, là ça passe. Oh, mais t'inquiète, c'est juste pour faire du buzz. Non, je plaisante. Mais ça, tu veux que je pose? Tu poses là où il y a le. Ah, il y a que des cracklers. Il y a 4 cracklers même. Voilà, donc ça c'est fait. Soit vous les revendez directement. 4000 km unité. Ça fait, si t'en fais 100, ça fait 400 000 km. Mais moi je suis pas sûr que ça parte. Parce que ceux qui achètent ça. Là. Chaud. Ceux qui achètent ça. Faut faire des coupes telles. Ensuite, bah il faut aller les briser. Vous avez mis les briser. C'est où? Hop là. Hop là, beau gosse. En fait, on est en train de faire monter une guilde. Une guilde, enfin, j'ai commencé à monter une guilde, moi et mon pote. Enfin, moi. J'ai un 1,5 t'as 44 000. C'est parce que là, il est en train de taper, il doit up sur 92. Mais. On est en train de commencer une guilde. Là, on est que des potes IRL pour l'instant. Mais... Sauf que t'as dit cagué. Si, si. Non, si. Si, si. On se connaît tous en fait. Et ceux qui veulent venir dans la guilde, bah ils me MP, hein, l'OPP. Ou MP. Ou MP, en fait, si je suis pas quoi. Donc, brisé. Personnellement, j'ai utilisé 21 000 Kama. 21 000 Kama. Là, bah, j'ai utilisé 21 000 Kama. Voilà, c'est j'ai utilisé. J'ai répété 21 000 Kama, moi. Je sais pas combien de fois. Bref. En fait, j'ai acheté une potion percepteur. Je l'ai posé, et ça m'a permis de craft ces anneaux-là. Donc, full bénéfice. Full bénéfice. Je crois que j'ai deuxième. On va le poser à Bracknit. À Bracknit. Ouais. Moi je veux ta mère, là, ça fait que pour toi. T'en as besoin pour quoi? Capot d'un, dindon, dinde. Il va se faire niquer. Moi j'ai posé mon percepteur là-bas et c'était Ken. Il se fait violer violemment. Donc là on va regarder les bénéfices. Là j'ai payé 0. Enfin j'ai payé 20 000 camas. Déjà les runes feu c'est 39 000. On va voir. T'as vu compagnon? Ça a changé. Non mais va dans mode rune vente. Rune feu. Hein? Va dans mode vente. Quoi? Va dans mode vente. Mais non, il y aura mes trucs que en vente. Non mais clique.
Peut-être moi, mais c'est bon, regarde. C'est les 10, les 10 c'est 12 000. Bah, et que le montant, combien ils démettent en fait? De quoi, mais? Regarde, clique sur Table. Et là en dessous, il y a marqué les fois 10, 12 498. Ah ouais, ah bah. Voilà. Hein? Mon pote vous. Voilà, mon pote vient de m'apprendre un truc. Là, ils sont à 12 480. C'est quoi ça? Ouais, 12 000, là. Bon, on va les mettre à 12 400. Attends, on va faire le crevard 97. Fois 10. Je prends la calculatrice parce que sinon je me fail. 497 multiplié par 3 égale 37 000. Attends, c'est pas fini. Après, il reste les RER. RER, c'est 2000. On va les mettre à 2998. 1, 2, 3, 4. Ça fait 3000, 3 fois 12 000. Plus 12 000. Égal 49 000 plus les runes réo, ça fait 2438. Non, mais ça fait 2437. 1, 2, 3 plus 6000. Âge. Ça, je les garde. Personnellement, moi, je les garde. Hein? Voilà, je me suis fait 50 000 carreaux en combien de temps? J'ai juste posé un percepteur. En fait, ça, il faut faire en masse, tu vois. Il faut faire ça en masse. Heureusement. 50 000 carreaux. T'inquiète, nouvelle. Et une dernière petite astuce avec les ficelles de lin. Si... Faut avoir, pour que ce soit full bénéfice, faut avoir un métier paysan que j'ai monté sans. Mythos, moi qui l'ai monté sans, c'est mon personnage. Oui, que l'eau tempête a monté sans, mais je l'utilise. Je fauche du lin. Et moi, je suis sculpteur d'arc. Le seul. Hein? Le seul du serveur. Ouais, le seul sculpteur d'arc du serveur. Et avec ce métier, bah, je peux faire des ficelles de lin. Donc, je fauche du lin. Et je vais les vendre. Ressources. Là, je vais les prendre. Vas-y, je vais connecter des cas. Ouais. Tous les objets visibles. Et je vais prendre ça. 1200. Oh merde. Oh là là. Il est où le mec? C'est moi, je suis bloqué. Ah, arrête, bon bah je vais devoir les... Arrête de balancer le mec. Oh le mec. Oh le seum. On peut pas cliquer là, là. Si je demande au pio. Oh putain. Merde. Ils m'ont bloqué. Allez, lâche. Oh, t'as collé qui? T'as collé quoi? Ah voilà. Acheté. J'ai 1200 lins. Bon, les cas qui sortent à... Oh! Oh! Quoi? Oh le mec, je m'en bats les couilles! Pourquoi tu me fais ça? Donc c'est 7! 7 méga. Ok. Est-ce que je vais le mets dans ignoré? Yes. Donc on va les mettre à 7495. Allez. On va pas faire le radin. On va pas mettre un karma de moi. Tu m'en bats les couilles, tu dis je suis pas là. Tu dis il est pas gros. Déconnexion. Voilà. Et voilà. 90 000 kama. Bon bah c'était une petite astuce. Kama. Première astuce. J'en ai plein d'autres. Et vous faites ça. si j'en ai plein d'autres. Et
et se mettre genre en mode Marco Fabji. Bon, on se dit à très bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, l'OPP, MB-moi si je vous invite, si vous voulez venir dans la guild. Sortie PEX, XP, Free Ghost 3 partout. Non, peut-être pas Free Ghost 3, on va rester à Free Ghost 2, tu vois. Bon, à la prochaine.